Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 13 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 8, versets 1 à 10. Les lents apprentis. Écoutez bien. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les envoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ?» Il leur demanda « Combien de pains avez-vous ?» Ils lui dirent « 7 ». Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Parole du Seigneur. En ce qui concerne la foi, la plupart d'entre nous la prennent lentement. Même si nous avons des leçons qui nous reviennent sans cesse à l'esprit, nous ne semblons pas bien saisir ce qu'est la foi. Pensez à ce principe fondamental qui consiste à suivre le Christ et à lui ressembler. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 34, 35. Il nous est commandé de nous aimer les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. Comment le Christ nous a-t-il aimés? Il nous a aimés avec un amour qui accepte, un amour qui pardonne et avec un amour qui sacrifie, n'est-ce pas? Par conséquent, il nous est demandé d'accepter les autres, de pardonner aux autres et de nous sacrifier pour les autres. Combien de sermons avons-nous entendu prêcher sur l'amour? À combien de séminaires avons-nous assisté sur le thème de l'amour? Combien de livres avons-nous lus sur ce sujet? Combien de retraites avons-nous faites où le besoin d'aimer nous a été rappelé à plusieurs reprises? Et combien d'entre nous l'ont compris? Très peu. Examinons nos cœurs maintenant et voyons si c'est vrai ou pas. Est-ce que nous acceptons tout le monde? Avons-nous pardonné à tout le monde? Vivons-nous de manière désintéressée? Vous voyez? Au moins, nous pouvons nous consoler du fait que nous ne sommes pas seuls dans cet état. Il y a beaucoup de leçons que les apôtres n'ont pas comprises non plus. L'une d'entre elles était de savoir qui était vraiment Jésus-Christ et de quoi il était capable. Une autre était de savoir qu'ils étaient par rapport à eux et ce dont ils étaient capables. C'est pourquoi Jésus devait sans cesse répéter les leçons qu'il leur avait enseignées. Le miracle de la multiplication des pains, décrit dans le passage d'aujourd'hui, c'est un exemple. Nous trouvons un miracle
presque identique à celui que nous avons trouvé un peu plus tôt dans Marc 6, 30 à 34. Il a nourri 5000 personnes, alors qu'il en a nourri 4000 dans cette histoire. Après ce miracle, ils ont quitté en bateau. Bien qu'il restait 7 paniers de pain, les apôtres n'avaient qu'un seul pain avec eux. Jésus a pensé que c'était une occasion pour les enseigner. Alors il leur a dit « Attention au levain des pharisiens !» Il les mettait en garde contre le fait que leur enseignement pouvait corrompre tous ceux qui les entouraient. Cependant, ils n'ont pas compris. « C'est parce que nous n'avons pas de pain, disaient-ils entre eux. » On peut imaginer Jésus secouant la tête en signe d'ahurissement. « Pourquoi parlez-vous de ne pas avoir de pain ?» il leur demandait. « Ne voyez-vous pas ou ne comprenez-vous toujours pas ?»« Évidemment pas. » »« Vos cœurs sont-ils endurcis ?» demandait-il. Oui, évidemment. Avez-vous des yeux, mais vous ne voyez pas, et des oreilles, mais vous n'entendez pas? De toute évidence, ils étaient à la fois aveugles et sourds aux vérités spirituelles. Est-ce que vous vous souvenez de tout cela? Les cinq pains qu'il avait multipliés pour en nourrir 5000 personnes et les 7 pains qu'il venait de multiplier pour en nourrir 7000. De toute évidence, ils avaient oublié. Et il leur a alors dit « Vous ne comprenez toujours pas. » Manifestement, ils n'avaient pas compris. Qu'est-ce qu'on en conclut ? Et comment nous améliorer? Nous trouverons les réponses dans toutes les questions que Jésus a posées. Amen.